Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième partie du Let's Play de Alundra sur PlayStation. Alors on va continuer. Donc on en était là, on a battu les petits ennemis qui traînaient. Donc maintenant on va faire ça pour ouvrir la grille du milieu. Et on y va. Aïe, j'ai oublié. Ah je vous jure, c'est pas grave. En fait normalement il fallait... Je sais pas pourquoi je me suis encore fait avoir. En fait, faut se mettre là sur le côté, attendre qu'elle revienne. Oulalalala. J'ai eu la chance. Maintenant, on va recommencer. Hein. Donc, remarque, on n'est pas obligé de les faire, ces ennemis. Maintenant, faut ouvrir la grille de droite. Et c'est parti. Bah, allez. Juste un petit peu la même chose. Actionner les interrupteurs en faisant attention à ces boules piquantes là qui tombent. Et tombe. Hop ici, contre-follow direct. Toujours pareil. Hein. Ah, c'est quoi cette échelle là? Je me rappelle plus. Oh. Voilà, maintenant on peut faire ça. Une petite clé. Voilà. Maintenant, je peux aller à cette échelle. Et voilà. Un vaisseau de vie qui va augmenter ma santé maximum, passant de 10 points à 11. Vous allez voir. Et en plus, ça a l'avantage de me remettre ma santé au maxi. Mais du coup, les 10 vaisseaux sont là, ils servent plus à rien, ça va. Maintenant, on peut sortir. On nous revoici dans l'entrée du manoir. Maintenant, je vais à la porte centrale et on va avoir droit à des petits mergues. Sait faire. Heureusement, ils sont pas très résistants. Et deux coups, il y en a plus. Hop. Oh, un fortifiant. Bon, c'est là, mais un peu la même chose que les herbes. Ça permettra de remonter la santé aussi. Hein. On peut voir. Qu'est-ce qu'il dit? Redonne jusqu'à 50% des points de santé. 10 points de santé minimum récupérés. Bon, vous avez compris, hein, les trucs, les caisses, j'ai pu m'embêter les caisses. Donc maintenant, faut ressortir. Enfin, il me semble. Moi, je cherche un peu dans mes souvenirs. On monte au premier, ouais, c'est ça, faut monter au premier étage. Je réfléchis. Et il faut aller ici. Attention aux petits singes. Ça c'est fort. Là, de l'autre côté. Ah, faudra que j'aille de l'autre côté aller récupérer le coffre. Oh voilà, la clé que j'avais récupérée m'a permis d'ouvrir la porte. Et un petit bouquin d'Elna. Le fameux livre que Septimus nous demandait. Voilà, accélère un peu. Voilà. Bon, pas de faire, je vais récupérer ce qu'il y a dans les coffres. Hein. Ça peut toujours servir. Ah, de l'argent. Ouais, c'est ça, j'en parlais. J'avais totalement oublié de parler du fait que la monnaie, c'était des florins. Ah, revoilà Melzas. Je suis Melzas, le souverain de ce misérable pays. Ceux qui sont assez fous pour se mêler des affaires de mes sujets paieront le prix suprême. Ouais, c'est bien. On s'en fout. Allez, on s'en va. Donc, je vais aller récupérer ce qu'il y a dans le coffre, là. Oh putain, je les ai totalement oubliés. Ça c'est chiant parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement d'écran, ben... Non mais sérieux! Wow! Pas mal le bug là! J'ai réussi à le percher sur la statue! Ah mais il y a quelques petits bugs, ces bugs sérieux! Oh tant pis! Sinon demain je suis encore là! Hein.
Comme par hasard, y'a rien dans les caisses. Hop. Une autre herbe. Alors bon, maintenant on peut se tirer et retourner au village. On est parti tranquille. Un peu d'énergie, s'il vous plaît, merci. Faire attention chez Petit des abeilles. Ah, là au-dessus, c'est une petite arche. Hein. On pourra se téléporter plus tard. Hein. Et ça, c'est beaucoup plus loin dans le jeu. Voilà. On va au village. On leur retombe directement chez Jess. On va en profiter. Quoi, ça marche pas? C'est nul. Ça marche d'habitude. N'importe quoi. Donc normalement, en se mettant dans le lit, on est censé pouvoir récupérer toute notre santé, mais là, je sais pas. J'ai dû louper quelque chose, j'arrive pas à le déclencher. Mais il y a un bouton appuyé. Ah, voilà. Avec le cercle, il faut le déclencher. Vous avez oublié. Et je savais bien quand même, je sais ce que je raconte. Mais qu'est-ce que je fous? Je me perds un petit peu, voilà. Je sais plus si c'est faut aller chez ces... Ah non, c'est faut pas aller chez Septimus, faut aller directement ici, chez Wendell. Voilà, c'est bon. Là, je touche à rien. Ah, à l'aide! Sniff, mon grand... Sniff, mon plus. Non, mais je le dis, je suis vraiment con, moi. Mon grand-père, si tu meurs, c'est sûr, je mourrai aussi. Septimus, s'il te plaît, aide mon grand-père. Tu es le seul à pouvoir le sauver. C'est qui dit... Ah ouais, c'est vrai. Bon, on s'en fout des voix. Mes prières ont sorti. Ben, jusqu'à rien n'est changé. Je n'arrive pas à croire que toutes ces prières aient été inefficaces. Peut-être n'étais-je pas assez sincère. Alundra, tu es revenu et tu as apporté un livre. Septimus reçoit un tome. Ouais, c'est bien gentil. Ouais. Je vois, Alundra, tu fais partie de la tribu d'Elna, les visiteurs de rêves. Tu as le pouvoir d'entrer dans les rêves d'autres personnes et de modifier leur dénouement. Tu peux utiliser ce pouvoir pour délivrer Wendell de ses horribles cauchemars. Va le voir immédiatement pendant que tu essaieras d'entrer dans son rêve, je continuerai de lire pour t'aider. Allez, on y va. Es-tu prêt, Alundra? Pose délicatement le poignet de Wendell dans ta main. Voilà, c'est bien. Maintenant, concentre-toi et essaie de sortir son pouce ou tes doigts. Écoute-le respirer, Alundra, essaye de respirer au même rythme que lui. Inspire, expire, inspire, expire. Non, mais j'ai l'impression que j'ai le médecin, là. Sens-tu le pouls, Alundra? Es-tu prêt à tenter l'expérience? Yes! On est parti! Dis-moi, j'ai fait une petite... C'est bon, on est reparti. Grave de Wendell. Ouais, merci, on est au courant. Voilà, donc on va voir un petit peu là, ce qui se passe. Allez, au secours, je vous en prie! Non, c'est en haut que ça se passe. Allez! Il passe à travers la manette, rien à foutre. Le levier. Ah, les méchants, gélatine. Délivrez-moi, je vous en supplie. Nya nya, tu restes là. A l'aide, quelqu'un vient de m'aider. Quelqu'un vient de m'aider. Mieux. Alors, on y va. Il va falloir faire muse, on a droit à un petit puzzle.
si je dois aller par là. Premier coffre avec une herbe à l'intérieur. Maintenant, faut ramener le bloc ici. Ça permettra d'accéder au coffre qui est là-bas à droite, hein, mais pour l'instant. Ouais, non, c'est pas par là. C'est pas par là non plus. Et je suis en train de me paumer. Ah, mais je fais n'importe quoi là. C'est juste une seconde. Bah là, ça y est, j'ai réussi à me perdre, bravo. Hein. C'est magnifique! Bon, en fait, faut continuer là-bas, enfin, je crois. Pas non plus. Oh, mais c'est pas possible ça. N'importe quoi. On a fonctionné ça. Après, faut revenir. C'est par là, hein. C'est en bas là. Non, mais attendez, j'ai un blême là. Il paraît qu'il y a un levier par ici, mais... J'ai pas trop le choix. Non mais ça c'est extraordinaire de réussir à se perdre dès le début. Voilà, maintenant... Mais maintenant je suis totalement paumé, mais c'est pas possible. On recommence. On va faire ça. On passe par ici. Et là normalement faut partir à gauche. Mais y a rien. Ah mais c'est un truc de fou ça. Ah, y a rien là. Comment j'ai réglé mon compte? En fait, c'est peut-être ma faute, je crois que j'ai fait une connerie. Tout simplement, c'est complètement con. Voilà, c'était ma faute. Ah, je vous jure, on peut continuer. J'espère pas faire des conneries comme ça tout le long. Hop. Parce que j'avais oublié que les leviers faisaient bouger plusieurs blocs en même temps. Attends, je me suis pas coincé, j'ai cru. Voilà, normalement je devrais pouvoir faire ceci. Revenir comme ça. Et récupérer un faucon doré. Et puis ben on va s'arrêter ici hein, parce que j'arrive à la fin de mes 15 minutes. Hein. J'espère moins me paumer à la suivante. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine.